Les montagnes russes du circuit de l'Aidenon accueillaient la troisième étape du FSBK sous un soleil de plomb. On commence avec la catégorie Super Sport 600 où le leader du championnat Johan Gimbert manque son départ et doit remonter les pilotes devant lui. En retrait ce week-end, Mathieu Luciana rentre dans le top 5. Le pilote PMR Loïc Arbel suise à la quatrième position à 7 secondes du trio de tête composé de De La Vega, Gimbert et Gregorio. Le numéro 114 ne parvient pas à dépasser ses adversaires et monte sur la troisième marche du podium. Un duel s'installe entre le 24 et le 77. Patient, Johan Gimbert prépare au mieux la sortie du dernier virage et remporte la course sur la ligne face à Mathieu Gregorio. L'après-midi, les mêmes pilotes se retrouvent dans le top 5 en file indienne. Au bout de celle-ci, Mathieu Luciana est victime d'une casse moteur. Le rookie Hugo De Cancelis signe une cinquième position. En difficulté avec un pneu défaillant, Johan Gimbert termine à 15 secondes du podium. Loïc Arbel monte sur la troisième marche malgré un circuit qui ne lui convient pas et un début de saison compliqué. Devant, Enzo De La Vega assure les points au championnat en réalisant une deuxième place. Intouchable à domicile cet après-midi, Mathieu Gregorio veut sa revanche. Le numéro 24 crée un gap et remporte sa première victoire de la saison avec 4 secondes d'avance. En challenger, Gaba Quinzard s'impose le matin, Florian Dacuna en manche 2. Gimbert est toujours premier au classement général. On continue avec les superbikes où Alan Teicher s'empare des commandes de la course du matin après un bon départ. Pourtant, le poleman Kenny Forêt ne le laisse pas s'échapper pour autant. Les deux pilotes sont à la bagarre et c'est finalement Forêt qui prend le meilleur et pousse pour créer un écart. Mike Di Meglio, qui subit sa course, accroche les points de la 5e place. Avec un pneu en surchauffe, Alan Teicher rétrograde à la 4e position en fin d'épreuve. Il est repris par Mathieu Ginès qui ne s'arrête pas là en allant chercher Grégory Leblanc. Le numéro 38 retrouve le bout du podium après 7 ans sans. Avec un beau rythme en fin de course, Ginès signe une belle deuxième place. Et Kenny Forêt lance sa saison avec sa première victoire de l'année, floqué numéro 1. En deuxième manche, nous retrouvons les mêmes pilotes aux avant-postes sur une piste très chaude. Alan Teicher est en tête, mais un drapeau rouge vient interrompre la course. Les pilotes repartent alors pour 12 tours. Corentin Pérolari fait 5e au scratch et l'emporte en challenger comme le matin. Sans solution avec la chaleur, le numéro 5, Alan Teicher, finit aux portes du podium. Di Meglio, plus agressif l'après-midi, sauve des points en terminant à la 3e position. Lui aussi plus incisif, Mathieu Ginès fait une bonne opération en finissant de nouveau 2e. Malgré un mauvais départ, le champion en titre s'énerve et remonte ses adversaires pour s'offrir une deuxième victoire et revenir à 3 points de Di Meglio au championnat. En sidecar, l'église Edruel monte sur la 3e marche du podium le dimanche matin. Devant, c'est plus serré. Le fils et le père Peugeot empochent les points de la 2e place à 2 dixièmes de Payne et Rousseau. En F2, c'est Palaker et Cessuti qui l'emportent en première, deuxième et troisième manche. Pour la dernière course du week-end, l'église Edruel réitère leur 3e position. Cette fois, la famille Peugeot a le dernier mot et s'impose devant le 45 de Payne et Rousseau, deuxième. Payne et Rousseau mènent le championnat, Palaker et Cessuti, celui des F2. Nous continuons ce résumé avec les plus petites cylindrées.
Le matin en OGP dans la catégorie NSF 250, Kyle Penn réalise une troisième place. Jules Berceau empoche de précieux points au championnat en étant deuxième. 3 secondes devant, c'est Evan Boxberger qui remporte la course. Pour les pré-moto 3, David Dacosta complète le top 3. Le numéro 48, Célestin Mazzi, le devance de peu et termine deuxième. Parti de la pole position, le pilote BRS Henri Mignot s'impose. Midi, les NSF 250 sont de nouveau dominés par Evan Boxberger qui réalise un sans faute en ce début de saison avec une nouvelle victoire. Derrière, le 96, Swan Emprunt rentre dans le top 3 et Kyle Penn finit lui sur la deuxième marche du podium. En pré-moto 3, Célestin Mazzi rétrograde d'une place. En deuxième manche, il termine troisième. 2 secondes devant, David Dacosta s'empare lui de la deuxième place. Henri Mignot gagne la course, sa troisième d'affilée. Dacosta mène toujours le championnat, Boxberger, celui des NSF 250. Parti de la pole position le matin, Kylian Rossignol conserve les commandes de la course un temps avant de les céder à Justine Peudemont en grande forme. Jefferson Delbosque monte sur la troisième marche du podium après la chute de Rossignol. Pour un dixième sur la ligne, Justine Peudemont remporte sa toute première victoire en 300, juste devant Ryan Chauveau qui voit la victoire lui échapper de quelques centimètres. L'après-midi, la course voit ses deux pilotes se rebattre aux avant-postes, mais trop ambitieux, Chauveau entraîne Peudemont dans sa chute. Profitant ainsi à Kylian Rossignol qui termine troisième, le 14, Cyprien Babi échoue à un centième de la gagne, puisque c'est Jefferson Delbosque qui l'emporte, sa première en 300, Chauveau est premier au championnat. On termine avec le Moto 4, Moto 5. En Moto 4, le samedi, Matteo Berger termine en 3e position. À 6 dixièmes devant lui, c'est Florian François et Gabriel Piau remportent la course. Dans la catégorie Moto 5, Elliott Carvalho monte sur la 2e marche du podium et Teddy Kénéan s'impose pour la 3e fois cette saison. 2e course le dimanche, en Moto 4, Gabriel Piau et Florian François s'échappent. À la lutte pour la victoire, le numéro 12 chute dans le dernier virage et laisse la voie libre à Gabriel Piau. Le 42, Matteo Berger finit 2e, Enzo Dupuis est quant à lui 3e. Pour les motos 5, Elliott Carvalho est 3e, le 56 de Teddy Kénéan passe la ligne d'arrivée 2e, à 13 secondes de Romeo Monneron qui repart avec la victoire. Kénéan est premier des motos 5, Gabriel Piau des motos 4.